Are you okay? Yes, I'm okay. What are you doing? I'm cleaning my room. Are you busy? Yes, I'm very busy. I don't have time now. Do you understand? No, I don't understand. Is it ready? Everything is ready. Are you busy? Yes, I have a lot of things to do. Where's the pharmacy? It's near the supermarket. Where is an ATM? Behind the bank. One way or round trip? A one way. How's business? Business is good. When do you get off work? I get off work at 6. Where does it hurt? Here. How's the weather? It's very cold today. Where would you like to go? I'd like to go shopping. Where would you like to go? I'd like to go home. Where are you from? I'm from America. When is your birthday? My birthday is August 27th. When are you leaving? I'm leaving tomorrow. Where's the closest restaurant? There's a restaurant over there, but I don't think it's very good. What's your name? My name is John Smith. What size? I'm a size 8. What time is checkout? 11:30. What does this mean? That means friend. What does he do for work? He's an engineer. Hi, everybody. Tell me, how are you doing? Are you okay? Me salió no. Comment nous y est? Qu'on est depuis fait 8 heures, c'est un malbranchon d'hier qui rentre la caillou. Il y a un cours anglais spécial, côté que vous apprenez anglais pendant un chita la caillou. Sans pas déplacer, ok? But, help me to share live face. On est de partager live en premier. Deuxièmement, nous pral apprendre yon ti interview en anglais, ok? On va apprendre deux interviews en anglais. Ok, class, get ready, share the live, ok? Invite your friend, your neighbors, your family, ok? Your friends, your church mate. Ok, class. Let's go. Ok, nou pral wè yon ti interview. Mèm ki gen difficulté pou pose question sou yon ti kout interview pou repon avèk troisième personne singulier. Nou pral wè yon ti kout interview an anglè. Ok, class. But you have already now
Okay, you have already known what you have to do. It helped me to share the life. I need more than 50 people today, okay? Vejam plus que 50. Let's share the life. And as I told you, class, speaking English is very important. It's for this reason I advise you to learn English, even though you don't have time, okay? But you can learn it. We felt problem with me on the air, okay? Help me to share the life. Let's do it together. A nous faire ensemble, à nous partager classe. Nous pral wè yon ti kout interview, ok? Yon ti interview très kout, nan pral sous deux formes, ok? Nous pral wè yon ti interview en anglais sous deux formes, très facile, très facile, ok? An nous partager, an nous inviter zami nou, et nous an nous inviter plus moun vin suivre spécial anglais ça, ok? Depuis le fait le ça na souè, ou connaît nous live pour nous porter ça qui gagne rapport avec connaissance hein OK ça qui gagne rapport avec bon bagay, OK I give you 1 minute to share live ba ou 1 minute pour nous partager dégagez nous la gueule dans tout groupe n'a besoin plus passer 50 moun là let's go class let's share live is it raining let's share yes it's raining How tall are you? I'm 6'2". How old are you? Thank you, Remy Samuel. Thank I'm you, 32. Samuel Elias. Thank you. How old are okay, you? Okay, Esther. Hello, how I'm are you doing? I'm 26 years old. Let's share live, okay? We're how gonna much talk is about it to two bring interviews. To Miami? Share. It's $17. What is today's date? October 22nd. How much money do you have? I don't have any money. What do you do for work? I'm self-employed. How does it taste? Let's share. It's delicious. How much money do you make? $6 per hour. How much are these earrings? 52 cents. How much altogether? $11. How many languages do you speak? I speak 2 languages. How many children do you have? I have 3 children, 2 girls and 1 boy. Let's go, How let's is share. She is pretty. How far is it? About 300 kilometers. How are you? I'm fine, and you? Do you understand? Yes, I understand. Do you take credit cards? Sorry, we only accept cash. Do you speak English? Yes, I speak a little English. Do you have any vacancies? Okay. Sorry. Okay, class, as I tell you, we are going to, in today's lesson, we are going to see 2 kind of interviews, okay? Nous allons voir 2 types d'interviews. Côté que vous pouvez poser mon question qui est rapport à lui-même exact, et aussi vous pouvez poser mon question qui est rapport avec un autre monde, okay? Let's go, class, let's share live. En nous continuer partager n'a dérapé très rapidement classe
Ok, nou gen de group, de pati, se premier pati sa kler se yon ti interview, ok? Sa anko se yon ti interview, ok? La nou gen yon interview, kote map pale par exemple a ou men, map interview ve, ok? E la gen yon ti interview, kote ke mwen ap pale a ve, men map interview ve de yon lot moun. Ok, Gleas? And let's follow Claudie Jean. How are you, my friend? You welcome, ok? Let's share, my friend. Okay, listen, Glass. Look at. Here we have. Let's go. Okay, thank you very much. Thank you. I'm going to ask you, what is your name? My name is John. Where do you live? I live in Canada. What language do you speak? I speak French. Tell me, what do you do every day? I get up at 8 o'clock. I take a bath. I eat breakfast. I go to work. When I come back, I eat Canadian food. I listen to Canadian music. I watch Canadian shows. Okay? Last say you see interview, kote ke par exemple, mwen ap interview yo la ka. Se so la, ma pose yon kesyon, wap repon, ok? E, nou gen pou nou fè yon pratik kon sa, ok? Jon wè tout lè dè pati. An gade nan dezyen pati ya. Dezyen pati yon se, what is her name? Her name is Christy. Where does she live? Wap wè kesyon fè dè fason diferan. Where does she live? She lives in Brazil. What language does she speak? She speaks Portuguese. What does she do every day? She gets up at 7:30. She drinks coffee or tea. She goes to work. When she comes back, she eats Brazil food. She listens to Brazil music. She watch Brazil TV shows. She reads Brazil newspaper. Okay, for example. She reads Brazil newspaper. Okay? La, la map kesyone ou de yon lot moun, e la map kesyone ou direktman. E so la, hein, Glass, ok? Marie, Obeis, how are you? Ok? Let's go, Glass. What is your name? An gade la, Glass, chak kesyon sa yon pozo la, wap gade koman wap repon kesyon yo. Ok? Zaken fè la, la m fè kote la pozo kesyon ou menm direk, La, se kote ma pozo kesyon ki gen rapor avèk yon lot moun, ok? La, mette her, paske kesyon sa yo gen rapor avèk yon fi, ok, Gleas? La, nou mette her, paske kesyon sa yo gen rapor avèk yon fi, hein? What is her name? Par exemple, mwen ap interview ve yo, par exemple, pou yon moun ki pa pale anglè, an suive. Ndi yo, what is her name? Mando, koman li rele, ok? Kounya wap din, her name is Christy. Ndi, where does she live? Sa ve di, ma pale ave ou la, ma pozo kesyon ki gen rapor a yon lot moun wap repon pou li. E so la Gleas, where does she live? She lives in Brazil. What language does she speak? Ki lang li pale. E so la Gleas, she speaks Portuguese. What does she do every day? She gets up at 7:30. She drinks coffee or tea. She goes to work. When she comes back, she eats Brazil food. She listens to Brazil music. She reads Brazil newspaper. She watch Brazil TV news. You see, Glass? Ok, la nou tap kesyone sou yon moun, ok, ki se yon fi. E la nou pati sa Gleas. Ok, nou pap kaze suje kon sa, moun chè.
Si la fèl gòsa kou ap kraze. Ok, let's go. What is your name? An nou ete la, hein? Se la ese etap pa etap. Ok, my friend. What is your name? My name is... Ok, le fi, mpa nan diferans avek God avek le pot salte, ya men. De ou pale de God, men. God. Only one. Ok, Gleas, an gade la, koman moun a pose kèsyon sa e koman wap repon, ok? Sa m blou suiv. La, moun nan di, what is your name? Ou di, my name is John. Where do you live? I live in Canada. What language do you speak? Well, ki lang ou pale? What language do you speak? La di, ki lang ou pale? Kou sa toul te kamande ou, koumye lang ou pale, Gleas? E so la, eh? Si ta mande la koumye lang ou pale, di ta pa di yo how many, ok, di ta pa di how many languages, ok, how many languages, la ta pa gen S, ok, how many languages do you speak, well, how many languages do you speak, le sa ta mande yo koumye lang ou pale, ok, La, li just vle konen ki lang Canada pale nan de lang yo, by example, ki li es ou pale. What language do you speak? Ki lang ou pale? Ok? I speak French. Di, mpale franse. Well, tell me, what do you do every day? Well, tell me, what do you do every day? Kousa tou Gleas, si te kpa mando, what do you do every day? Dite ka du Gleas, what do you do for, ok? Dite ka du, what do you do for, ok? Dite ka du, ki so fè pou vivre, e so la, eh? What do you do for a job, kom travay? What do you do for a living, ki so fè pou ganyen viw, etc. Well, what language do you speak? Ki lang ke ou pale? I speak French, ok? Tell me, li di la, li di, rakontem, tell me, dim, eh? tell me, what do you do every day, ok? La di ou kom si li di, rakontem, well, tell me, dim, dan le sens de rakontem, rakontem ki so fe chak jou, ok? Tell me, what do you do every day, ok? Si li di, tell me, what do you do every day, se ke li mando yon ti detay, sa ve di, wap detay e, tout sa fè chak jou, ok? Ezak fò wè lan bon, gòt ti te detay, kote ke ou mèm ou ka bay ti detay sa yo. Thank you, my friend, Kristolè, ok? Kote ke ou mèm ou ka bay ti detay sa yo pou ko. Ki ti detay riye, Gleas? Li do tell me, palèm, what do you do every day? Ki sa ou fè chak jou, ok? Kou na plis ke li dim tell me, li mande pou mwen rakontel, wè? Tell me, What do you do every day? Rakontem ki so fè chak jou. Ouè, Gleas? Plus ke se rakontem dim, mde ta e bal, yes ou la, eh? I get up at 8 o'clock, mwen leve a 8 e, I take a bath, mbran un ti ben, I eat breakfast, mbran dejenem, I go to work, mal travay, yes ou la, eh? Mal travay. When I come back, le mwen retoune, I eat Canadian food, plus ke mse Canadien, Le mwen toune, mwen manje Canadien. I eat Canadian food. I listen to Canadian music, ok? Mwen tande music Canadien. I watch Canadian TV shows. Program mwen gade nan televizyon, mse program Canadien. Eso la, eh? I do all the things that a person can do in Canada, ok? Ese doun moun la, eh, Gleas? Di premye mwen nan ti koute interview sa, Gade li bien, Gleas. Se ou ti interview ke ou ka itilize pou pratike, ok? Cheri Pablo, alright? Se ou ti interview ka itilize pou pratike, Gleas, ok? Jo wèm kon fè pratik online yo, ok? Jo wèm kon fè pratik online yo, Gleas. Ok, Gleas, e so la, hein? Jo wèm kon fè pratik online yo. Koun yam ka pozo tout ti kesyon sa yo, epi pou detaye ban mwen, ok? What's your name? Mi fòk ou ka fè sa, san ke se pa non bagay wap gade. E so la, Gleas. What's your name? My name is John. Where do you live? I live in Canada. What language do you speak? Well,
What language do you speak? Ki langue ou parle? Okay. What language do you speak? I speak French. How many language? How many? Ouais. La simple how many language do you speak? Question a toujours fait avec do you? Ouais. What language do you speak? Okay. Kuna wa bam combien langue ou parle? I speak two languages. Parle deux langues. I speak French and English. Ouais. Français et anglais. Est-ce que l'anglais est? I speak two languages. Me parle deux langues. Ok? French and English. Ok? Now, tell me. On dit là où tell me, class. Tell me. Mon nom dit raconter. Ok? For example, tell me about your family. Voilà. Là, on dit bon détail de famille. Tell me about your friend. Parlez-moi des amis, ouais. Tell me about your friends. For example, okay, to vous l'andou, tell me. Ouais. Depuis que vous tell me la clé, c'est que vous vous racontez, ouais. Tell me about your friend. Est-ce là, hein? Tell me about your friend. Ouais. L'andou, parlez-moi des amis. Tell me about your neighbors, ouais. Tell me about your neighbors. Hein? Simple tell me about your neighbors. C'est que wap détaillé ban mwen. Ouais, tell me about your neighbors like this. Ouais, about your neighbors. Ouais, tell me about your neighbors. M'di parlem de vrazin ou yo. Ouais, tell me about your neighbors. Tell me. De bouè tell me about, ça veut dire wap bay détail, wap détaillé. Est-ce là, hein? Tell me about your family. Détaillé, bon détail de famille. Est-ce là, hein? Ou ka di, I live in a nuclear family. Okay? My father's name is John. He is an engineer. My mother's name is Kala. She is a saleswoman. Est-ce là, hein? I have three brothers. The first is John. He is electrician. Ouais. Ou détaillé. Ou tombe raconté. Est-ce que la glace? Parce que vous tell me. Ou tell me about. Ou tell me. What do you do every day? Tell me. Puisque me dit what do you. Et hier nous t'avons une différence. Le wap mande. Le wap pose question qui est rapport à you moon. Ou pas utiliser do. C'est ça que fait là un bon petit détail la classe. Me dit si me là me dit what is her name plus que me dit her name question qui a gué pour faire dans phrase au classe, il a fait avec auxiliaire des. OK, c'est ça me veut comprendre. Question qui gué pour faire dans phrase au classe, yo a fait avec auxiliaire des. Est-ce là classe? Qui les questions a fait avec auxiliaire des? Question yo a fait avec auxiliaire des cas class c'est là moun m'a parlé de lia li gen rapport avec troisième personne ça a fort ou toujours mettez ça dans tête tout est-ce là class depuis venir un verbe ordinaire vous demande fait question par exemple dit what language do you est-ce là do you pour que ça c'est do you parce que speak est un verbe ordinaire il faut utiliser do pour poser la question, est-ce que l'anglais, what language do you? Ok, plus ça c'est do you. Parce que yon dit l'anglais, si ma parle de oui, si ma parle par exemple de oui, de you, de I, ou bien they, ok, auxiliaire m'a utilisé à l'anglais do. Ou l'anglais, l'anglais do, pour me faire question. Est-ce que là, hein? Depuis, yon parle de she, y a parlé de he ou bien it auxiliaire m'a utilisé à classe l'appeler days ça a très attention si ça fait une fond différence là pour la question a fait avec days et la question a fait avec do est-ce que là en classe est-ce nous là hein gardons bel coup anglais observer avec bel détail bien détaillé vous comprenez bien détaillé est-ce que nous la classe ça fait moi invite au partager live là de tout côté hein. Vous comprenez? Invitez les gens à regarder bel cours anglais avec bel détail. Bon moyen pour faire question sans pas besoin d'aide. Est-ce que là, hein?
bon bon moyen pour faire question sont pas besoin aide. Laissez nous la glace. Ça fait on aller pour nous quitter question 50 40 moun pour nous arriver dans 100 200 moun, OK? On aller glace. M'dit là par exemple m'a parlé de ou même. Si m'a parlé de ou même en anglais glace, tout côté qui parle verbe ordinaire pour me faire question yo a fait avec do. Exemple glace. What is your name? Your name. C'est que là, m'a déjà parlé de ou même, OK? Plus que m'a parlé de ou même la classe, m'a dit my name is John, OK? Plus que c'est ou même, question là, yo va le faire avec deux. Est-ce que là, hein? Y a fait avec deux. Y a pile monde qui toujours petit problème, là, fait question yo. Là, y a parlé de you moon qui c'est troisième personne. Est-ce que la classe? Si m'a dit la classe, m'a dit what is your name? Ou dit my name is John. Si m'dou goun yam baka di where, pou mal utilize days, ok? Se where do you live? Pou ki sa? Paske depi ma pale de we, you, I, they, m'suppose utilize do pou m'fè question, ok? Sa ou kale moun anpil, ezak fwe m'fè l'te zota, eh? Ben Bertrand, how you doing, my friend? Where do you live? Where do you? Ok? I live in Canada. What language do? Eso la, eh? C'est que là c'est d'où qu'app continuer faire question honnête est sur la glace parce que m'parler de ou même ouais m'parler de ou kuna si m'a parlé de avec ou de li est sur la glace si m'a parlé avec ou de li tout côté m'a fait question qui gagne verbe ordinaire yo moi supposé utiliser days est sur là hein c'est différent ça que moi voulais ou bien habitué avec ouais where are you where no it's not good my friend. It's not good. Let's share. Aslin, how are you? Thank you. Tima, my friend. My new top fan. Tima fait travail. Tima top fan. Okay. You're welcome, Tima. Bienvenue dans la famille. Top fan. Parce qu'on pousse quoi, on va top fan. Very good. So, my friend, let's go. Okay. Est-ce que vous bien sur place? M'vlo, ouais. Le wap fait question, le wap parle à you moun direct, wap fait question de li, de ou, avec ou, ou supposé continuer à utiliser dou nan phrase ou net pour faire question, ok? C'est ça moi vle ou différencier. Ou la glas? Where are you and where are you? Exact. Where are you? Where are you? Ok, good. What is your name? My name is John, ok? Là ou getan wè se avè ou ma parle. Tout kote m'a fait question là, dou à présent, dou. Est-ce que l'anglais as? Do à présent. Est-ce que nous là, hein? What language do you speak? Do you? Ok? Parce que depuis moi, oui, you, I, they, c'est do m'a utilisé. What language do you speak? Est-ce que nous là, hein? Parce que m'a parlé avant de ou même. Ok? I speak French. Tell me. Ouais, m'tou ne l'a dit encore. Tell me. Nous dit, là, on dit tell me, Cléas, ou mandé mouna pour lui raconter, ok? Détail, bon, moi. Tell me about your family. Parlez-moi de famille. Tell me about your activity. Parlez-moi de activité, ok? Your daily activity. Activité que vous faites chaque jour, ouais? Your little daily activity. Let me show you. Ok? Est-ce que vous avez l'anglais? Your little daily activity. Daily activity, c'est un bagage de l'activité que vous faites chaque jour. Ou dit daily activity. Ouais, glas? Ok? Si m'dou tell me about your daily activity. Tell me about your daily activity. Tell me about your daily activity. Parlez de toute activité qu'on fait pendant la journée. Et sur l'anglais, hein? Activité qu'on fait chaque jour. Ouais? Daily activity. Non, daily ou jouer day. Et sur l'anglais, ça veut dire que tu as un jour. Ou getan wè jou, ok? C'est ça m'vle que ou habitué avec. C'est là ou parle de ou même. Ou parle avec moun nan direct. Tout quand on parle fait question yo ki ap gen un verbe ordinaire yo, fok ou kebe dou. Est-ce que la anglais? What language do you speak? Where do you live? What do you do? Est-ce que la eh? Do you like spaghetti? Do you cook? Do you study? Do you work? Do you play? Do you drink? Eso la, ça c'est avant ma parler. C'est d'où net qu'a fait question au présent. Eso la, hein? Do you work? Do you come to see your father? Do you like? Do you play? Do you watch TV? Do you listen to music? Eso la, hein?
Toute question là m'a fait, c'est deux cap frappé parce que m'a parlé avec ou même exact. OK? Première classe, si m'a utilisé par exemple un verbe, si m'a utilisé verbe can. M'a utilisé verbe most. M'a utilisé verbe may par exemple. Est-ce que là en classe? Si c'est moun sa yo m'a utilisé dans question, non. Si m'a utilisé can, must, may, m'a pas utilisé auxiliaire do ni days pour me faire question. M'a faire avec même yo même. Est-ce que là hein? Can you speak? Hein? What language can you speak? Ki langue ou capable parler? Ouais. Can you speak Spanish? Yes, I can speak Spanish. Ouais. Can you speak Spanish? Depuis moi c'est moun sa yo m'a pas besoin auxiliaire pour me faire question, m'a faire avec même lui même. Est-ce que là en classe? Must you leave, my friend? Où dois-je aller, man? Où dois-je aller, man? You must leave the class. Où dois-je quitter classe là? Must you leave the class? Avec même les mêmes sous là, hein? Est-ce que là, classe? May I drink a cup of coffee? Est-ce que je peux boire un petit cup de café? Ouais. Est-ce que je peux me permettre pour mon petit cup de café? Ouais. May avec même les mêmes. Mais depuis que je parle, c'est mon sale classe. Mba wè se bi. Est-ce que nous là? Mba wè se bi comme verbe. Mba wè se have le l'entend composé. Est-ce que là hein? Pas oublier les fait question avec même have là, c'est l'aime gagner l'entend composé, faut pas oublier ça. Est-ce que nous la classe? Hein? Si me dit classe, si maman do est-ce qu'on gagne l'argent? Have se traduit par avoir, avoir est un verbe auxiliaire, mais en anglais autant simple, il ne se comporte pas comme verbe auxiliaire. On doit utiliser do, does, did pour faire la question. Hein? Est-ce que l'anglais? Quand si je have là, ouais, si là m'a dit est-ce que j'ai maman, m'a dit have you brother, have you mother. Est-ce que l'anglais? Exemple. What is your name? My name is John. Where do you live? I live in Canada. Est-ce que là m'a dit vu l'anglais pour me dire have you mother? Est-ce que m'a dit have you mother? No, it's not good. Okay, class? It's not good at all. Ni pas bon du tout, hein? It's not good at all. It's not good at all. It is not good at all. Ni pas bon du tout. Est-ce que la glass? It is not good at all. Ni pas bon du tout. Okay, qui ça pour me dire? Qui ça pour me dire, class? Si m'y en have qui n'en autant simple. Thank you, ok? Si m'y en have qui a conjugué n'en autant simple, baka di have you children, pour mando est-ce qu'on get simoun. Baka di have you children, baka di have you money. Est-ce qu'on a anglais? Hein? Est-ce qu'on a anglais? Hein? Baka di have you money, like this. Have you money? Hein? Est-ce qu'on a anglais? M'a pas dit have you money pour qui ça classe parce que have se conjugue au présent simple de l'indicatif. Lorsque have se conjugue au présent simple de l'indicatif classe, on doit pas utiliser le même have pour faire la question, mais plutôt l'auxiliaire do pour faire la question. Hein, vous comprenez classe? Let's go. Okay. Do you understand? Do you understand what I'm talking about? Est-ce que ouais ça m'a parlé de l'IA classe, hein? On bel coucou ça pour nous parler faire livre ensemble mes amis. Hein? Let's share the live. OK? Est-ce que la classe? Depuis moi have là dans temps simple, là on ca continuer poser mon question classe. On dit what language do you speak? Do you have brothers? Do you have money? Do you have where? Do you have radio? Do you have car? Do you have motorcycle? Do you have bike? Do you have ouais, glass? Parce que depuis longtemps simple, tout côté m'a fait question avec glass, m'a utilisé do pour me faire question, hein. Est-ce que nous là, hein? Si m'a continué poser question la glass avec have, m'a continué avec do. Do you have brothers? Est-ce que vous avez frère? Oh yes I do. When Babzi, yes I have. Yes I do. What are their names? Comment yo rele? What are their names? Ouais, m continue à poser question la classe. Ndou comment yo rele? Ndou what are their names? Ouais, what are
their names. Where? Pour qui ça me dit what are their names? En anglais, là, their remplace frère yo. Plus que c'est plusieurs frères, moi utiliser adjectif possessif their. Et cela, hein, pour me dire quels sont leurs noms. Parce que m'a parlé de plusieurs frères. Ouais. Quand on regarde, dit their names are. Ouais. Non, yo, c'est their names are Peter, Carlo, Brian. Ouais. Ou bien moi plusieurs noms. Parce que me dit what are their names? Et cela, hein, class. On a dit, I have one sister. I have one sister. Si Douglas, do you have sister? Et vous dites, I have one sister. On a vraiment dit comment lire les. Plus qu'on dit, ou gen yon seul sœur. Et puis, Mme Douglas, what is her name? What is her name? Et cela, Douglas, hein? Faut qu'on habitue à utiliser class les adjectifs possessifs, OK? Faut qu'on connaît là parler de yon moun, ou bien on fait question présent supposé toujours utiliser auxiliaire doux pour les verbes ordinaires, OK class? Founia, on va aller dans partie ça class, qui ça partie ça dit? Partie ça dit lorsque m'a parlé avec de yon l'autre moun, OK? Lorsque m'a parlé avec ou même de yon l'autre moun, li capable l'autre moun ka yon fille ou bien yon garçon, OK class? Mais pas oublier on ka parler de l'autre monde pendant m'a parler avec eux. Est-ce là glace? Excuse me. Si m'a parler avec de l'autre monde glace, laisse ça qui ça m'a fait? Si m'a fait glace, si c'est de l'autre monde, par exemple. Là, m'a pas dit what is her name? Même t'a dit glace, what are their names? Est-ce là glace? Par exemple, si me dit glace, si me dit what are, me dit deux noms monde, c'est pour me dire what are their names. John et Jack. John ou bien Carla, m'a dit there, là par exemple what are their names. Ouais. Si c'est un garçon classe, m'a demandé comment lire les. OK, c'est un garçon. C'est pour me dire what is his name? Well, what is his name? That's all I glass. What is his name? Si c'est deux noms moun qui mentionné c'est they, m'va kana days. M'a bien do. Est-ce que l'anglais? Mais si on dit what is his name? Puisque c'est he, m'a continué avec them days, moi. Mais là, on a dit what is her name? Là, ouais, m'a parlé de yon fille. Puisque m'a parlé la classe de yon fille, là, les troisième personne, tout côté qui gagne un verbe ordinaire m'a fait question. Forme toujours maintenant tête moi m'a utilisé days on garde glace là m'gen est what is her name comment li rele her name is Chrissy ouais son nom non c'est Chrissy where days she live est-ce on dit d'où là non là nous pas qu'a dit d'où parce que depuis m'gen she he it depuis mon continue faire question glace côté qui verbe ordinaire yo faut moi utiliser days. Where does she live? Qui côté li a vive? She lives where s parce que on dit she lives in Brazil. Est-ce là hein? What language does she speak? Well, puisque notre troisième personne là c'est does, mais là l'aime de parler de où? Qui c'est deuxième personne singulier? Est-ce que on doit utiliser does? Non, de dit what language do you speak? Mais là plus que m'a parlé là de yon l'autre mon affaire. Do what language does she speak? Where? What language does she speak? C'est days. Si m'de gagne yon garçon là, li tape toujours days. Si m'de gagne yon chose là, li tape toujours days. Si m'de gagne yon animal là, li tape toujours days. What are you talking about? We have to talk about the English class, my friend. On parle de quoi anglais? Assemble de l'autre sujet qu'on dit. Let's talk about English, okay? Mowos, kiss bear. You welcome, my friend. On parle là plutôt classe. Où est comment? Le wa fait question. L'autre font une interview sur you moon.
pour kembe, kembe days ou, hein? Et comme si t'as kembe hier sous, pour qu'on est supposé utiliser days. On discute ça à 8 ans, hein? Ok? Alright, Léas. Ok. Thank you, my friend Grégoire. Ok, Léas. On fait ça plutôt, mes amis. C'est ça, ça. On fait ça plutôt. On va faire notre discussion. Nous déjà connaissons ça qui est réalité, ok? Let's talk about other things now. Ok, Léas. On parle de l'autre bagage, ok? On a les Léas. On dit qui sont doué Kébé. On a Léas. On dit là. Si on parle là, par exemple, de yon lot moun, pendant ma parle avant de yon lot moun, toute question yon Léas, yon parle de rapport avec Days. Ok? Where does she? What language does she? Where? She, Mkebe la. What does she do? Eso yon Léas. What does she do every day? Where? Ok? What does she do? Where? Mkebe Days mwen ne. Koun yon Léas, si moun nan ap fè ap pose m kestyon ki gen rapò avèk pase, sin, ok? Par exemple, si lap di m ki sa te fè yè? Ki sa te fè yè? La koun nan m pa nan ni do, ni days, an anglè, eso la glas, m pa nan ni do, ni days, si l mande m, ki sa te fè yè? Ok? Koun nan, si lap di la par exemple, tell me, am fisiv la, par exemple, la de di, tell me, what did you do yesterday? Where? Ok? Si l dit la glas, si zim, tell me, what did you do yesterday? Ba mou do exemple, hein? Ouè, sa le tire la glas, le tire yon vide. Koun nan la glas, nta gen, par exemple, what did you do? Dam da gen yesterday. Exemple, eso la glas. Suiv bien glas. Koun nan, si mta bidan mdi tell me, mdi ou pale mwen, mdi rakonte, what did you do yesterday? Ese ou la e? Koun nan, mpa gen repo ave, ni do, ni days, mes ami. Ese ou la? Si mla moun nan di, tell me what did you do yesterday? Tade bien. Si mdi m, what did you do yesterday? Se ke l bezwe koun ki sa mte fe dan le pase. Se ke la kleas, tout verb mwen genye pou m itilize la, tout doit au passé simple. Est-ce que nous là on suit bien Léas? Oh, your lady, because, okay? Now, there she on next. Now, is she? Okay? Parce que m'a utilisé verbe être. Depuis ce verbe être m'a utilisé, question a fait avec même verbe être là, okay? She is on next. Ils sont infirmières. Is she on next? Est-ce que ils sont next? Okay? Le m'a utilisé days là. Fok mwen genye yon verb ordinaire. Eso la e glas. Eso la e my friend. Ok. You should say, is she or nice? Très bien. Is she? Paske nou gen rapo avek verb être. Ok. An gade la kou na glas. Si moun nan di, tell me, what did you do yesterday? We? Tell me, what did you do yesterday? What did you do last Sunday? Last Sunday. Si di last Sunday, la palem de dimanche denye, tell me, what did you do last month? Qui sont fait mois passé? Tell me, what did you do last year? Qui sont fait année dernière? Ouais. Koun nan glas, fòm toujou konnen la, m'pa gen rapò ni days, ni do. La, tout le m'ap repon la glas, mwen suppose repon avec verbe mwen au passé. Par exemple, glas, ouais. Koun nan, si m'ap di, mwen te, à l'année dernière, par exemple, ok, yesterday, what did you do yesterday? Si m'a dit hier, mwen te manje, parce que c'est yesterday, et puis qui ça m'a dit, glas? M'a dit yesterday, I ate. Par exemple, là, quand j'ai dit là, là, m'a dit I ate. Est-ce que la glas? Là encore, ouais, là, m'a dit I ate, m'a mettre en rouge, m'a changer de couleur pour qu'un différentiel, ouais, plus que c'est what did, question en fait. Depuis question en fait avec did, le m'a répondu une fois que verbe au passé par exemple. What did you do yesterday? Tell me. Racontez-moi qui sont fait hier. What did you do yesterday? Quand dans la classe, là on pas t'a dit I take. On pas t'a dit là I get. C'est cela hein. Mais là pour la classe parce que verbe supposé au passé, là on t'a vinn gagner I get. Et ça la glace parce que c'est dit qui fait question là. Depuis dit là, c'est que verbe ordinaire moyen il doit au passé. Et ça là hein.
Tell me, what did you do yesterday? Suivez-vous à comment changement fait, oui? Tell me, what did you do yesterday? Qui sont tes faits hier? Dit, I got up at 8 o'clock. I, m'a pas dit I take encore parce que dit, le map répondre là, m'a supposé utiliser le verbe au passé. Est-ce que là, hein? Là, m'a pas dit take encore glass. Est-ce que là, hein? Parce que c'est dit qui là. Qu'on a m'a dit I took. Est-ce que là, hein? Verbe au passé. Depuis verbe là au passé là, qui ça le dit? Le dit, question t'es faite avec did. Est-ce que la glace? Question t'es faite avec did. What did you do yesterday? I got up at 8. Moi t'es levé à 8h. I took a bath. Moi t'es pris un bain. Ouais. I ate breakfast. Moi t'es pris un dîner. Ouais. Moi t'es al travail. Là, pas qu'à moi al travail encore. Est-ce que la glace? Qu'on a m'a utilisé passé du verbe go. I went. Est-ce que là? I went to work. Ouais. Kuna, ndi, lem te tourne so travail, l'ambap kage kom encore, parce que c'est did qui te fait question, c'est que verbe mouyan pralo passe se, fesse nou la glace, et so suiv. Suiv bien ti exercice aye, kuna m'ap di, when I came back, lem mouyan te retourne, ouais, lem mouyan te retourne, ouais, lem mouyan te retourne, qui ça me fait? M'te manger canadien, I ate. Ouais, did change bagay la net, tu bien, ça fait une différence. Ciel blum bouka, ouais. Tell me, what did you do yesterday? Hein? Explique-moi ce que tu as fait hier. I got up at 8 o'clock. I took a bath. Moi, j'ai pris un bain. I ate breakfast. Moi, j'ai pris un déjeuner. I went to work. Moi, j'ai au travail. When I came back, li pa comme encore, hein? When I came back, là, j'ai retourné. I ate Canadian food. Moi, j'ai mangé canadien. Ouais. Qu'on a glace, plus que c'est dit toujours, est-ce que m'gagne listen là? Non, l'a changé tout, l'a vu nous passer. M'dit, m'tétendez musique canadien, m'dit, I listened. Ouais, I listened to Canadian music. Est-ce que là, hein? Même là, tout glace, m'dégué watch, plus que c'est dit que là, est-ce que m'abdi watch encore? Non, l'a pas passé. Elle m'a dit, I watched. Au passé, ouais, I watched the Canadian TV shows. Est-ce que nous comment changer classe? Lui changer parce que c'est dit qui fait question. Ça veut dire, auxiliaire ça, les on fait interview, faut bien entendre qui auxiliaire et comment on répond. Si vous nous dites what days, ok? C'est que les on répond, nous répond avec verbe au troisième personne, verbe ordinaire avec s. Sauf si c'est avec quien lui fait question ou bien most ou bien may ou bien should ou bien will ou pas répondre avec verbe troisième personne. Si me dit where does she live? Where she lives? Where S? That's all I'm going to ask. And the troisième personne demande S. Pour qui t'as demandé S? Pour présent. Mais depuis moi, au passé, Glass, question S là, n'est pas respectée. That's all I'm going to ask. Si m'dit Glass, she ate. Par exemple, si m'dit la Glass, si m'dit she ate breakfast. Est-ce qu'elle mette S? Non. Pour passer simple, question S dans troisième personne n'a pas existé. Est-ce que troisième personne n'a existé pour troisième personne singulier? Ok? Est-ce que nous là? Hein? Est-ce que nous là, Glass? Sous là, hein? Chaque monde qui là, écrit un TS pour moi, écrit un TS. Hein? I ate breakfast. I took bath. Très bien. Hmm? I sent it. Yeah, bro. That's for the reason I say sent. I sent it yet. No, it's not good at all. Il va bon là. I send it yet, non, pas qu'à utiliser yet comme ça, hein. Yet, c'est dans une phrase négative, hein. I didn't send it yet, ouais. M'a pas encore voué, ouais. M'a pas encore voué. I did not send it yet, ouais. Non, phrase négative, ok. Est-ce que là, hein? C'est non, phrase négative, alright? Alright, now me a good one. On allez. Chaque monde qui l'a dit, on tire, mes amis. Hein? Très bien. On tire chaque monde. Hein? Vous m'avez souvent avec moi. Il faut m'avez souvent avec moi. Si ma plein de travail là, bah, je me sentis souvent avec moi. Comme si ma fin. Hein? Très bien. Exact. Ouais, chaque monde veut un tire. Ok. Hein? Si vous 30 monde là, vous m'avez combien de yes? 1, 2, 3, 4, 5 yes. Oh my god. Ok. Vital bon, my friend. How you doing? Ok. Est-ce que nous là, hein? Exact, as ice. Oh, what's the name? Huh? I don't know what to say. Ak ice. Ok. Ou bien si c'est vous, vous voyez déjà.
I already sent it. Très bien, Christine. I already sent it. Very good. All right. Okay. Sent already. Good. Already. Mais si vous mettez hier, hier c'est encore. Okay. C'est encore dans une phrase négative. Hein? Encore se traduit plusieurs façons en anglais. Il traduit plusieurs façons. Mais ça y est, vidéo ça y est. Okay. I retired, teacher. You understand retired, my friend? You understand retired? Hein? Là, dit retired, vous ça veut dire? C'est là pour une retraite, oui. Fatigué ou fatigué ou bien? I am tired. Tired. It's that retired. Retired, my friend. C'est là où pas qu'à travailler encore, ou jeune garçon, man. Ou pas qu'à retired, okay? Okay, my friend. Keep going on, teacher. Thank you very much, okay? Mes amis, il est pour moi au moins 100 mois, n'a pas gardé belle pour anglais ça, hein, pour pas gagner 3 mois. Et pour mais est-ce que jeunesse là pas intéressé avec ça qui grand pour éducation ou bien? Hein? On belle pour anglais comme ça mes amis. Hein? T'as supposé n'importe 300 chers, n'importe 300-400 mois n'a pas gardé, hein? Avec bel détail, bien détaillé bah où pour faire question comme ça. Et cela hein? Hein? Est-ce que nous est clair? Qu'est-ce que ça me se dit la classe? Me dit depuis moi la question what plus did. Depuis moi what plus did. OK? Ngé pour me détailler le baou pour une meilleure façon de faire question, si vous nous posez une question avec non mais nan qui t'en poser là, Jean ou doit répondre nous-mêmes. C'est ça me le ouais. Vous comprenez? Ça c'est des petits bagages qui a permet tout ou faire des questions et pour répondre des questions sans aucun problème. Cela hein. Hein? Kouna si mon dit did you come late yesterday? Est-ce que tu es venu hier? Ta, hein? Ou quand on connaît mais qui Jean pour répondre? C'est ça dit no, I did not come late. Ou vous dites no, I didn't. C'est ça là, parce que l'utiliser did. Ou utiliser did ou bien utiliser verbe au passé. Hein? Ouais. Ou dit no, ou vous dites no, I came. Ok? Ou vous verbe au passé parce que c'est did qui là. C'est ça là, hein? C'est ça là, hein, clair. Sindou, did you, where did you go? Where did you go? Qui s'entendait la question là? Did. Nous dit where did you go? OK? Vous tendez le verbe go et vous tendez did. C'est que mon nom qui côté où t'es allé. C'est cela. Ouais. C'est dit where did you go? Where did you go? Et sur la glace. Where did you go? Qui sont dans la question là? Did. Qui ça nous dit? De pour did dans la question, did do réponse ou le bail là, verbe là doit au passé. Et sur la glace. Where did you go? Et bien me dit I went. I went. Did me la faut que utiliser verbe pas répondre non au passé ouais. I went to school. Qui côté t'es allé? M'té allé l'école. Est-ce là hein? Hmm? Where did you go yesterday? I went to supermarket. Did dim que me répondre avec verbe au passé. Est-ce là hein? What did you study last year? Ouais. What did you study? Est-ce là hein? Bon faut tirer ça parce que m'étais en détail ben non hein. On va dire qu'elle vous montre, hein? Est-ce que nous la classe? Est-ce que nous la, hein? Hein? Si nous classe, what did you study last year? Est-ce que là, hein? Qui s'en dit la classe? Dit qui s'en est étudié l'année passée? What did you study last year? OK? Kou na ou même qui pral répondre moi pour dire année passée moi t'ai étudié espagnol. Est-ce que la classe? L'année passée moi t'ai l'école de droit. Est-ce que la classe? L'année passée moi t'ai non tel tel bagage. Est-ce que là? Plus que moi dit là, le m'a répondre là verbe moi en pral au passé. C'est ça que notre tête. Est-ce que là? Kou na si m'dou classe, what days par exemple, si m'di là, what days he study. That's all I'm going what days he study. Qui sa days dim la? Lui-même. Days dim, mon cher. Verbe ou pral répondre non la, la au troisième personne singulier. That's all I'm going that's all right, difference la, hein? Hmm? I am late. I do not yet. I do not. No, I do not yet. No. I do not understand yet. Okay? Yet, that's it après, hein? I do not. Okay, you mon écrit, you mon écrit. Okay, I'm late. I don't understand yet. Okay, you mon écrit, correct?
Zami have to wear, eh? No one ekile. Another, another, let's go, let's go. Zachary, ekile. Christina, ekile. Let's go. Okay? So, ekile. Eh? God, keep moon lakab ekile. Your land, ekile. Alright, let's go, let's go, let's go. Ekile. She's studious. Très bien. Asso là. Là, qui ça l'a exigé? Là, lui-même, tenez bien. What day is he study? Qui ça l'a étudié? Là, dit mon cher, on répond avec verbe au troisième personne singulier. Côté la bien S. Parce que day, c'est en présent pour les trois personnes, les trois troisième personne singulier. C'est que là, par exemple, dit she, ou dit he studies. Ouais. Mais pour nous à la classe, là, dit what did you study? Si me dit what did you study là, est-ce là, c'est que là lui-même verbe même pour le passé, qui ça me dit la classe. Mettez-le sous tête bien, c'est que là m'a dit I studied. Est-ce là, verbe même au passé, I studied, est-ce là classe. I studied Spanish. Hein? What did you study last year? Hein? Année passée, qui sont étudié? I studied the Spanish, okay? I study Spanish. Parce que m'pas mando, what do you study? Si m'di, what do you study? Est-ce là, hein? Kuna, si m'di, what do you? Si m'di, what do you study? Okay? C'est là où m'di, I study. Okay? Mais pour nous, si nous disons, what do you study? So, on étudie là ou toujours on étudie. Est-ce que la classe? C'est vrai ou pas présent continu là? Regardez bien, hein? C'est vrai là ou pas présent? Yet, hein? Ok? C'est vrai là ou pas présent classe? Si nous disons, what do you study? Par exemple, nous disons, qu'est-ce qu'on va étudier? Pendant que nous posons question, ou toujours on étudie la gueule là? Est-ce que là, hein? Pour montrer ou toujours on étudie, what does him I am studying? That's all I class. I am studying French. Where? What do you study? Ou ka di I am studying? Sou di I am studying, m'ap gete comprendre c'est qu'on toujours ap étudier là, est-ce là hein? A di pendant ou parler avec nan même ou ap étudier ça ou ap étudier. Est-ce là? What do you study? Hein? Ou ka di aussi I study French. Est-ce là class? Est-ce là? What do you study? I am studying English. Huh? I am studying English. I am at an English institute. I am studying nurse. I am at a nursing school. I am studying engineering. I am at an engineering school. That's all right. That's all right, class. Huh? That's all right. Hmm? Est-ce que nous là? Hein? That's my name, my God. Okay, my friend. Okay, est-ce que nous avec les est-ce que nous qui bien? Parce que bagay ça, yo vraiment, nuit moun l'a fait question. Et ça faut, hein? Moi, fait yo, m'chache petit bagay qui kava. Nuit, parce que l'an débutant yo, c'est avec yo pour à l'aise pour parler ti anglais. Est-ce que là, hein? Faut ou supposé à l'aise avec yo, OK? Me fait un pile cours sur auxiliaire ou même qui fait branché ou ka toujours aller sur channel YouTube moyen, OK? Ou je nous paquet belle cours anglais, OK? Côté que me t'ai fait, OK? On c'est belle cours anglais, ou après titre, OK? Ou ka entrer dans auxiliaire, ça qui gagne titre comme auxiliaire et puis ou après meilleure façon yo utiliser auxiliaire en anglais. Est-ce nous là, hein? Ou après, meilleure façon d'utiliser auxiliaire en anglais, ou après, juste écrit sur YouTube, si tu es mal et branche on the air, même nous avec page là, ouais. Et puis, là, entrer là-dedans, ou après, meilleure façon d'utiliser auxiliaire, yo. Comment pour faire question avec yo, ok? Comment pour répondre longue, comment pour répondre courte? Nous détailler ça, ok? Ou après, je n'ai sur YouTube. Est-ce que nous là, hein? Ou après, je n'ai sur YouTube, ou pas besoin de faire trop boum, hein? Ou ap juste entrer sou yo, gade yo, comprendre, kite yon ti message, comprendre, si yon question même ou ka kite question en comment, ok? M'ap répond nou normal nan commentaire yo, ok? Répond nou normal nan commentaire yo, ok? M'ap pin channel la bouka wè,
Hein? Ouais, même ma pinni. Ok, glace, ma pinni pour kawé. Ok, bon pinni pour kawé, hein? Passez sous lui, mes amis. Al mette anglais, oh. À jour, hein? Ok, al mette anglais oh, à jour sans aucun problème, hein? Reginald, I agree. Pas j'en vois, non, papa. Ok, essaye de l'anglais. Sous Wempin ni, Wempin Chanel là, mes amis. Passez sous Chanel là, hein. Écoute, dis-moi, bon petit love là, vous comprenez? Ok, bon petit love là. Exact. C'est un débat différent. Ça m'a pas parlé de débat. Depuis c'est différence entre bail qui a rapport à Dieu, m'a pas parlé de débat ça, hein. Ok? M'a pas parlé de débat qui a rapport à bon Dieu. Moi, le fait différence, non, ok, glace, you have to understand. Et bien, la guerre pour Dieu, mes amis, c'est éviter de parler n'importe comment de lui. Est-ce que nous hein? Son être suprême, qu'on dit mon yo. Est-ce que nous là, hein? Nous pas capable de différencier Dieu à qui que ce soit, qu'on dit mon yo. Est-ce que nous là? À qui que ce soit, hein? Nous pas capable. Est-ce que là? Parce que ça, il va gagner. C'est bon, nèg moun bwa le vin. Fè différence ça donne, hein. Yon de Saint-Glaas. Ok. Ok, Glaas. Let's go. Let's go. Mais de vous parler, vous yo identifié Dieu sous plusieurs noms. Vous pas que non, yo différencié Dieu. Yo parler de Dieu. Non. Nan mode là, vous comprenez? Yo pa non plusieurs non. Gen moun ki ka di c'est gauche li, gen moun ki ka di god moyen, vous comprenez? Ça dépend ou même comment on prend. All right? OK, est-ce que nous là, hein? Est-ce que nous là? OK, Glaas, sou jeu mes amis, toujours passer sous Chanel là, hein? Sous Chanel là, passer regarder ta petite vidéo, vous comprenez? Et puis bon moi love là, si m'a fait un bel travail, ou apprécier travail là, ou vle travail là continuer fait. Ou voulez là, vous regardez live là pour être tableau éclairé. Est-ce que vous comprenez? Toutes ces quoi pour faire. Et de me pousser page là avec channel YouTube là, vous comprenez? Pour nous avoir quoi up to date. On dit, pour nous avoir up to date. Si vous pas bon aide ou, quand on va faire up to date, hein? Et montez sous page là. I'm in the house. Augustin, bienvenue my friend. Passez like page là mes amis, like page là, on page qui font bagay sérieux, vous comprenez? Qui a rapport avec formation. Vous comprenez connaissance, ouais, bah ça va pas facile, hein. Vous avez un petit coup anglais qui a bien détaillé comme ça, un live bah ou avec bel détail. Est-ce que vous comprenez? Nous n'a même pas fait, soit fait live comme ça ou pas qu'à détailler qu'on doit faire live. Vous comprenez? Il faut lire là pour détailler comme ça, ouais. Je m'a détaillé bah ou tout comme fait, comme vous regardez sur YouTube. Après vous bien détaillé, vous comprenez? Je me détaille anglais bah ou exact. Mon Dieu, oui. Exactly. C'est ça là. Seulement qui ça? Seulement, non, gauche là, tout marché avec adjectif possessif là dedans. Mais le signifie Dieu. Ok? On a les glaces. C'est ça là. Ou après quoi? Bien détail. M'dou là, soit pour une interview, si ma interview vous de you moon, faut ou toujours qu'il y ait des questions là. Faut ou toujours songer répondre avec troisième personne singulier. C'est ça là. Là, ma interview vous de you moon, m'en ou comment lire le? What is her name? La ma pite vivo de yon moun, ou kebe troisième personne ou di her name is Christy. Ma mando ki kote li rete, fom kebe days mwen, parce que m'nan troisième personne singulier. Where does she live? Eso la, m'kebe days mwen. She lives in Brazil, she lives, where she? M'kebe troisième personne singulier, she lives, parce que c'est days ki te fait question. Eso la. What language does she speak? M'kebe days mwen. Parce que question m'a fait elle a rapport avec une troisième personne singulier. Don't worry teacher. Thank you my friend. Hein? Gen pile moun ki dit ça même si m'fin fait quoi, on pas passer sur channel là vrai non? Hein? Si chaque moun la te bon moun 5 moun ou 10 moun sur channel là mes amis, besoin faire live sur lui. On man. Besoin faire quoi anglais sur lui tout, comprendre ou ka besoin enjoy sur YouTube, ou regarder sur YouTube, ou regarder sur Facebook. Et dem pou sel mes amis, et dem pou sel hein. Besoin 1000 moun, jusqu'ou n'am pou ka gon 500 moun tout dat m'a fait cou ça là.
Est-ce que la classe, hein? Ou pas payer pour quoi, mes amis, pour faire live? Hein? Pensez avec internet, pensez avec Belba et qu'on fait tout. Pourquoi faire? Hein? Soit aller de pousser channel YouTube là, là bon, hein? L'aime la petite vidéo, activez cloche là, et on regarde des vidéos, à qui tout petit comment. Donc, quoi, j'aime faire ça, ma faire, vous comprenez? Si je campe le demain là, est-ce que vous comprenez? On dit que, monsieur, t'as fait un bon petit travail, pas m'a jamais en live encore. Mon pape dit que, m'pas collaborer. Est-ce que vous pape dit ça, non? Est-ce que vous comprenez? Ou pape dit ça, pape dit m'pas collaborer. Non, si m'te collaborer, il te ka gagné plus force, courage pour le pousser. Mais l'on pas collaborer comme ça, mes amis, pas bon, hein? Passez sur YouTube là. Ouais, si tu es Malebranche on the air. Même nous avec page là. Ou après ce coup anglais. Ou après Titio. Vous comprenez? Si vous avez besoin de comprendre auxiliaire bien, allez sous lui sur YouTube là. Ou après quand vous faites quoi, bien détaillé le baou. Et cela. Si vous avez besoin de meilleure façon d'utiliser Do Days, ou après je détaillé. Meilleure façon d'utiliser Ken, May, Moss avec passé yo. Ou après je n'ai sous chaîne YouTube là. Ou après je compte comment utiliser. Ou bien vous avez un équivalent verbe can, may, most. Le wap utilise au passé. Qui équivalent ou ka utilise ça égal à yon même. Ou ap jen ni sou chaîne YouTube. La yon doit le passer sous li. Pas seulement pour encourager, mais ou ap jen bon bagay sous li tout. Vous comprenez? Encourager ça kap fait la mes amis. Mais je fais quoi? Belle. Ok? Est-ce nous là? Ou bien vous avez l'op paret la ou écrit yon. Gros devant, belle bagay, bon caméra. Mais tout c'est l'argent, hein? Mais pas là, je m'en dois passer sur YouTube là, mes amis. Même pile là, après quoi, alors qu'on juste cliquer sur lui, abonner mes amis. Invitez deux, trois monde pour encourager quoi, hein. Ok? Pour encourager, hein. Si pas encourager, j'aime dire là, ma vie quoi, on deux fois par semaine, ou bien on trois fois, vous parce que pas de encouragement vrai, et seulement pour faire pour encourager. Montez sur page là, invitez moun ou gagner qui, dans le contact sur Messenger, by page là, on like, pour nous kembe. Quoi vivant, hein? Est-ce là, hein? Moi, je n'ai pas le cours sur anglais, mais je veux un bon détail, ça, yo. J'en m'a détaillé le bas, voilà, pas facile. Vous comprenez? Fait live comme ça, détaillé le bas, ça, pas facile. Est-ce là, hein, classe? Ouais? What is her name? Her name is Christy. Where does she live? She lives in Brazil. What language does she speak? She speaks Portuguese. Ouais, lui parle portugais. What does she do every day? Qu'est-ce qu'elle fait chaque jour? She gets up at 7:30, where gets, parce que c'est le troisième, c'est mon troisième personne m'a parlé, hein, ouais. She gets up at 7:30, well, lui levé à 7:30, she drinks coffee or tea, lui boit café ou bien thé, ouais. She goes to work, lui c'est lui qui a le travail, goes, ouais. She goes to work, et m'te montre une meilleure façon de former pluriel en anglais, ok, comment on fait pour former pluriel? When she comes back, when toujours qu'elle me quand est-ce moi parce que c'est le troisième monde m'a parlé. She eats Brazilian food. Là c'est brésilien, hein? Brazilian food, hein? Brazilian food. She listens to Brazilian music. She reads Brazilian newspaper. Et journal brésilien lui, est-ce là, hein? Kembe, troisième personne, hein? Est-ce que la classe, hein? Max Zumberg, bien gay, please. Patience, exactly, my friend. Oh, 3 mois, je vais faire quoi? Si je n'ai pas patience, hein? 3 mois, hein? Ouais, pendant 3 mois, je dis, pendant que je fais quoi? Online, je vais jouer 10 personnes. Pendant 3 mois, je vais jouer 10 personnes qui abonnent avec la chaîne YouTube là. Hein? Je vais jouer un peu vague. Est-ce que la bouquet events? Ouais? 3 mois, quoi, je depuis la fête. Les 3 mois, dépassé même. Ok? 3 mois, non. Devez se faire 3 mois ou non. Beaucoup jouent 10 moun pendant ma fè bel kousa live qui passe sous channel la qui dit, moi abonné. A peine si gen 4. 4 moun. Après ça, gen 10 oui, moun qui invite l'autre moun. Moun qui invite l'autre moun, n'y a pas pile, non? A peine yon oui qui invite 100,000 abonnés à page là, sur YouTube. Vous comprenez? Dis si m'tap découragé, m'tap getan découragé même. Bon, moi, si m'tap découragé. Mais, m'kembe ferme, vous comprenez? Parce que tout ça, wap fait, ou livré, ou malgré ça, ou même toujours wap fait à tout moi-même. Est-ce que la glace? Malgré pas, j'en même l'aime fin faire quoi? M'di abonné avec channel YouTube là pour m'ka pousser quoi, pour m'changer style là, mettre belle caméra, bah ça. Malgré m'pas, j'en m'en ou même toujours continuer. Vous comprenez? Est-ce que la? Hein? Alors, tout ça, wap fait ou fait bien, bon Dieu prend plaisir là-dedans, vous comprenez? Et puis là, mettez moun sous chemin ou pour le passer, pour le continuer.
Voilà. Excellent. Thank you for following Malbranche on the air. Merci parce que vous toujours suivez Malbranche on the air. Yon kou anglais live qui rentre la kayou chaque après-midi. Nan le sa, hein? We enjoying in English. Nous amusons nous ensemble en anglais. Ou nous détailler des bagailles. Côté que ou pas tellement difficile pour comprendre nous. Parce que nous expliquons très bas. Nous pas passer ou. Le nan expliquer anglais. Vous comprenez? C'est lundi au vendredi. Nan le sa, lundi au vendredi. Toujours activer ti clochou. Comme live pour Facebook du. Teacher Malbranche is on the air, ok? Thank you, Claire. Si it was a pleasure for me, moi abonné longtemps. Très bien, Berlin. Ok, alright. M'abjé, all of la teacher. Thank you very much, Mario, ok? En pile, moun dit ça, l'em live, l'em pou a fini tout demain, moi elle rete même quand il le dit, à ce moment-là, hein? Ok, Claire? I hope. Moi espérer que moun a fait, hein? Alright, thank you very much, ok? Seeing you on Monday, m'pap fè chan dimanche lan, ok? Parce que j'en m'dou la, si m'dap koute découragement, m'dé gade tan ki tel. Vous comprenez? Mais pour chansonnet dimanche yo, lèm monte, m'pap jwenn moun, gende lè son gren moun, se deux moun, m'kite chansonnet yo toujou. Et so la, hein? Lè gen moun kounè, lè gen pil moun ki abonne à page la, m'a continue. Lè sa an ap jwenn au moins 20 moun kap suiv. Chansonnet yo lè nou fè yo en anglais, nou traduit yo le dimanche. Vous comprenez? Plus que nous pas jeune monde, nous laissez ça tomber, hein. Et cela, parce que pas pour moi faire. Vous comprenez? C'est ton bel bagaille chaque dimanche, dans 7h, ou chit à la ka regarde un bel di chansonnet et puis n'a traduit vocabulaire ba ou après ça nous traduit chant. C'était bien, mais plus que thank you very much, OK? Plus que plusieurs fois monter son grain monde c'est deux monde, m'font quitter chansonnet là, OK? Ça veut dire et ou ka toujours jeune moi repasser yon coup que t'es fait live, OK? On ka toujours repasser un coup que t'es fait les samedi les dimanche. Comment sous vlo ka regarder quoi live, mais chansonnet là me font camper sous lui. Les pages là commencer grandir, là commencer inviter moun like li, les ça n'a recommencer avec chansonnet. Thank you Claire, seeing you on Monday at the same time. Thank you and bye bye.